Noël, c'est tellement une chouette période pour cuisiner. Avec le temps des fêtes qui approche à grands pas, je vous propose une recette de biscuits de Noël sans gluten et sans lactose, assez simple à réaliser. Vous pourrez même vous amuser à les décorer avec les enfants. D'ailleurs, ça fait de super cadeaux d'hôtesse. Donc, vous aurez besoin de 3 tasses de farine tout usage sans gluten. J'utilise le mélange de maison cannelle. 2 cuillères à thé de poudre à pâte sans gluten. 1 tasse de sucre. 2 œufs. 1 tasse de margarine ou de beurre sans lactose. 1 cuillerée à thé et demi d'extrait de vanille, 1 tiers de tasse de lait végétal ou sans lactose. Préchauffez le four à 350 degrés, puis mélangez la farine et la poudre à pâte dans un bol réservé. Au mélangeur, combinez le sucre, l'œuf, la margarine et l'extrait de vanille. Ajoutez peu à peu le mélange de farine et de poudre à pâte. Ajoutez le lait. Vous formez une boule de pâte, puis vous l'étalez au rouleau. Vous découpez des biscuits à l'aide d'emporte-pièces de votre choix. Puis vous les enfournez de 10 à 12 minutes. Quand les bords sont dorés, c'est qu'ils sont prêts. Pendant ce temps, préparez le glaçage. Donc, vous aurez besoin d'une tasse de sucre en poudre, de 2 cuillerées à table de lait végétal ou sans lactose, d'une cuillerée à table de beurre, d'une cuillerée à table de farine tout usage et de colorant alimentaire au choix. Vous mélangez le tout. Attendez que les biscuits aient refroidi avant de les décorer. Même le Père Noël ne pourra pas résister. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. À bientôt!